Je pense que ouais, on peut être satisfait surtout de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal et peut-être qu'eux aussi accéléré, mais le problème, c'est que quand on a des occasions, il faut les mettre. C'est assez dommage, mais on a tenté des choses. On a retrouvé plus d'occasions que les matchs précédents. Donc, contre une équipe comme ça, c'est bien. Il faut prendre ce match-là comme une référence et progresser. On doit encore progresser. C'est la deuxième fois que Mugisha Djibé entre dans un match et il change tout, et on l'a vu aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que peut-être la prochaine fois il va être du titulaire? Ah, c'est vraiment un joueur qui apporte énormément, c'est positif. Et le problème, c'est qu'on se dit, si on le fait jouer direct, est-ce qu'il va apporter? Mais il a déjà joué, il a fait des matchs, hein, et il a été aussi décisif. Non, les deux côtés nous apportent la tonicité, Baka aussi. Mais Gilbert, on était moins bien, et avec lui, il a fait une action de 40 mètres, c'est une action de classe, quoi. C'est bien. C'est bien, et ce qu'il faut noter, c'est qu'il a un bon esprit, c'est-à-dire qu'il rentre pour apporter quelque chose, il n'est pas déçu d'être sur le banc. Coach, vous avez encaissé un but, mais l'arbitre est... C'est le but que vous avez marqué. Ah, le but qu'on a marqué, oui. Moi d'où je suis, je ne peux pas avoir. Moi je préfère, enfin je fais toujours confiance aux arbitres. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense qu'on aurait mérité, mais dans le football, le mérite, ça n'existe pas. Il faut continuer à travailler. Et puis ça se joue à des détails. Et la preuve, c'est un petit détail. Ça n'a pas tourné pour nous. Alors qu'on était généreux, on a fait plein de choses, mais c'est comme ça. Coach, quels sont les enseignements tirés de ce match-là vis-à-vis de l'équipe type que vous avez joué aujourd'hui? On dirait que durant le début de la saison, vous avez fait des changements. Quels sont les enseignements tirés de ce match-là? Moi, je vais refaire des changements, je vous le dis. Il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, moi, on me dit j'ai un bon groupe. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes engagé dans deux compétitions où vous jouez tous les trois jours, vous devez utiliser tout le monde. Tout le monde travaille bien. On prépare les matchs de très bonne façon. Si vous ne récompensez pas les joueurs en les faisant jouer, ça va être difficile mentalement. Et puis je pense qu'il y a des joueurs qui ont fini très fatigués. Hein. Bon là, ça va, on rejoue dans 6 jours. Mais moi, je pense qu'une saison se fait avec la valeur d'un groupe et pas avec la valeur d'une équipe. Et c'est nécessaire en tout cas d'instaurer une concurrence. Et ce sera comme ça. Pas rien, c'est que j'ai des joueurs qui sont que je juge un peu mieux que lui. Il est un peu moins bien, il a fait un très bon début de saison. Voilà, c'est ça d'avoir des joueurs qui apportent un plus. Après, peut-être que ce sera lui qui sera mieux, mais il n'y a pas de problème. Je trouve un peu moins bien que les joueurs que j'ai mis sur le terrain. Mais il y a zéro problème. Là, j'ai un match à faire. On va jouer à Marine. Il faut bien le. Parce que le championnat aussi c'est très très important. Et le match retour, on va travailler, mais je pense que le score nous avantage. C'est-à-dire si tu fais un partout, on doit sortir, on doit marquer là 0-0. Je ne dis pas qu'on va rester derrière, mais à eux de faire le jeu. Et je pense qu'on aura des opportunités. Mais c'est aussi un autre moyen de montrer aussi qu'on a du caractère, parce que là-bas ça va chauffer. Mais on va bien se préparer. Coach, malgré les résultats nuls, il y a quelque chose à apprécier. Quelque chose à apprécier aujourd'hui, malgré les résultats nuls. Moi, je ne me fais jamais un avis sur le match par rapport aux résultats. Je trouve que dans le fond, dans ce qu'on a fait sur le terrain, peut-être plus en première mi-temps, on avait plus de physique, c'était très intéressant. Moi, je suis coach, je ne vais pas vous dire que j'ai pas aimé. Mais je ne sais pas, je pense que les gens ont vu une équipe qui essaie de construire, on a eu des occasions. Voilà, le 0-0, je pense que s'il y a une équipe qui peut gagner, c'est nous, je pense. Bon, ben, je suis d'APR, mais je pense qu'on a montré un beau visage et il faut travailler là-dessus et il faut progresser dans l'efficacité. Coach, on a vu récemment comment on utilise la Mazan en milieu du terrain.
qu'est-ce qui vous apporte Namazan? Vous savez que c'est un attaquant excentré aujourd'hui, toujours dans le milieu. Qu'est-ce qui vous apporte dans l'équipe là, dans cette animation? Vous l'avez pas vu, hein? Vous l'avez pas vu jouer. Ramdam, en fait, il est. Il a un esprit de milieu de terrain. Et je trouve que sur le côté, il manque de. En un contre un, il a pas assez de jus, comme Baka, comme Apap, comme Gilbert. Il n'est pas assez tonique pour éliminer les joueurs. Il a besoin de travailler collectivement. Et je trouve qu'au milieu, c'est intéressant. Il est discipliné. Il est costaud dans les duels. Donc, c'est bien. On a aussi eu un problème, c'est qu'on a récupéré Ismaël très tard. Il était fatigué. Donc voilà, c'est ça, mais bon, on a Ismaël aussi qui a aussi beaucoup de qualité, et on a été un peu obligé d'intégrer Ramdam au milieu. Coach, tu n'as pas utilisé Mapam, est-ce que c'est votre décision ou cela est une décision? Ah, si c'est pas ma décision, ça peut être la décision de qui? Peut-être du président, je ne l'ai pas eu au téléphone. Non, je pense que c'est le jeu qui fait ça. C'est difficile de rentrer. Baka, il a fait un gros match. Et Gilbert, il a du feu dans les jambes. Hein. Vous avez vu ce qu'il a fait. Moi, j'ai bien aimé le match qu'il a fait en sélection. Il n'a pas été récompensé. Donc c'est ça. Et encore une fois, nous, on voit les joueurs tous les jours. Et je trouve qu'Apam, il a besoin de se ressourcer, de récupérer. Je pense qu'il va vite revenir, parce que c'est un gars qui travaille bien. Et... Coach, s'il sent, que compte-vous vos chances de progresser dans le pool? Moi, je ne sais pas trop, mais là, on va s'attaquer. Je l'avais dit, j'avais fait un jeu de mots à une sacrée pyramide. Hein, c'est costaud, mais je pense qu'il faut vraiment avoir foi en soi. On a montré des choses intéressantes. Ça va être plus dur, mais on va essayer de rendre la tâche difficile à l'adversaire. Et puis, s'il y a une opportunité, il faudra la saisir. Mais c'est des matchs qui nous font progresser énormément. Et il faut prendre ça comme du bonus. Coach,